Et bien salut tout le monde, c'est Mehur, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Prism. Et donc j'espère que le son ne sera pas trop fort. Alors par contre, ouais. Hop, je vais juste modifier un truc, propriété. Capturer le curseur de la souris, voilà. Ah, ça fait un bug dégueulasse sur le côté, mais c'est pas grave, vous ne le voyez pas vous. Parce que ce sera coupé au montage, donc on s'en fout. Donc la dernière fois on avait récupéré, on avait raconté toute notre histoire à Léo, tout ça, pour récupérer le remède, je crois, de mémoire. Voilà, il y a peut-être votre réponse, ok, on va le réutiliser. Alors, j'ai une police dégueulasse, c'est parce que j'ai voulu installer Ezreal Gates, et je pense que c'est rentré en conflit, parce que je crois que c'est le même truc de jeu. Et je pense que c'est rentré en conflit, et ça s'est mis sur Pokémon Prism. Donc j'ai déjà contacté la team pour voir. D'ailleurs je vais juste checker s'ils m'ont répondu. Ok d'accord, merci Joey, il me répond yellow. Merci gros. Voilà, bon, j'espère que ça va pas trop gêner. Parce que ouais, ça fait pas beau. Ça fait pas magique. C'est pas magique. Donc on doit continuer pour choper mieux tout ce bordel. Alors Neferalto, bah non, en l'OS autant le terminer. C'est vraiment, ouais, je sais pas, attendez, je vais retourner sur Skype. What the fuck les polices, moi j'aime bien, moi j'aime pas. Moi j'aime pas, et puis c'est tout. Rendez-moi mes polices. Enfin c'est pas que j'aime pas, mais c'est que, enfin, je sais pas, c'est bizarre, c'est pas les polices du jeu. Merde, j'ai pas regardé. Ouais, ok, d'accord. Quand c'est pas les polices du jeu... Ça fait toujours bizarre. Oh, pff. Ah oui, mais il est level 72 celui-là, c'est juste pour faire chier. Tiens, 0 balles. Ah, ça le tue même pas. Ok. Wow. Franchement, 0 balles, ça fait trop de dégâts. Non, on va arrêter le connerie peut-être. Franchement, 0 balles, c'est la meilleure attaque que j'ai jamais vue. Je me demande si ça a enlevé même pas un PV en fait. Je pense que ça a enlevé 0,5 ou un truc du genre. 0,3. 0,3 PV. Par contre, voilà, on voit rien. Enfin, ça coupe. Bon après c'est pas trop dérangeant. Ah, ça... ah ouais, pour les quêtes c'est étrange. Ah ouais, ça fallait récupérer le rubis, ça... Par contre c'est vraiment bizarre. Oh putain, lamentaire. Blanc catané. Excusez. Il fait pas une huile qui traîne plutôt qu'une huile max là. Ah si, j'ai de l'huile là. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous croyez que ça a été réparé? Je pense que ça a été corrigé. Oui, ça marche. Nice le. Ah par contre, je suis désolé, mais moi ça me choque l'inventaire. Je suis perdu, je sais pas ce que je dois faire. Ça, ok. Vas-y, moi je l'esquive. Je sais pas si ça passe. Merde. On a tenté. J'espère que le son est pas trop fort. Par mesure de sécurité, j'ai peut-être baissé encore le son du volume. Le son du volume, oui. Le volume du jeu. Ah! Ça, c'est assez chiant. Smogogo, c'est assez chiant. Ok. Voilà, il a fait explosion. Je m'en doute. OMG. Ok. Ok. Je pense que t'es pas prêt pour le combat. Voilà. Alors combien on lui met? Rien du tout. Par contre si tu le gèles, ce serait pas mal. Ça m'arrangerait.
Il a pas l'air très motivé pour geler, bon. Psycho. Non, 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 non. Je vais faire de la merde. On va tenter avec la glace. Je pense que ça passe. Ouais, ça passe. Normalement l'OS. Ah non, j'ai plus de. Ah ouais. Ah oui, d'accord, carrément. Ok. Ouais, si tu veux, ça m'arrange d'une certaine façon. Continuer à ne pas attaquer, ça m'arrange. Oh non, critique. Oh non. Ce jeu, c'est une blague. What? Quoi? Deux fois d'affilée? Non mais ça, c'est impossible, ça. Ah, une attaque qui a 85 de précision deux fois d'affilée. Oh, 85. 8,5 chances sur 10 que ça réussisse quand même. De mémoire, c'est à 85 en plus, gros givre. En fait, j'aurais fait avec la glace, ça aurait été plus rentable. J'hallucine. J'hallucine. Mais what? Par contre, ça m'a choqué. Là, le deux fois d'affilée, tu rates gros givre, c'est assez chaud, quoi. Ça arrive une fois tous les 10 000 ans, je crois, ce truc. Après c'est vrai que j'ai encore des potions max. D'accord. Voilà. Faut que je continue ou il faut que j'aille dans la grotte? Pokémon ou pas, dégage avant que je te casse la tête. Les mecs sont un peu vénères dans ce jeu. Mais bon. En même temps, c'est la Team Rocket, tu me diras, ça se comprend. Pokémon ou pas, je te casse la tête. Le mec est un peu mad, un peu. J'ai fait tout le tour pour rien, c'est pas grave. Pourquoi venir jusqu'ici à part pour perdre? Ah ouais, les gens sont un peu vénères dans le jeu. Non mais c'est bien, ça reflète la Team Rocket. Enfin, un jeu où la Team Rocket n'est pas pacifiste. Genre, oh là là, on a perdu, au revoir. Ah, là ça pue par contre. Ça pue. Du coup on va tenter ça, même si j'ai peur qu'il se fasse défoncer. Ok non, ça va. Ah non, ça va pas. Ok, ça va. Par contre il va nous défoncer au prochain tour. Donc si on le tue, on est mort. On le tue pas, on est mort. Ouais on est mort. Ouais ouais on est mort. Ah, et lui se tue pas? Non, il a dit non le jeu. Ok. Bon, termine-moi ça. Voilà. Au final, Lucario il sert pas à grand chose, peu cher. C'est compliqué pour lui. Arbok, magnéton du coup. Comme ça, le poison, on y est tranquille. Alors. Bon, on part sur du canon. Bombe. Ah. Ah ouais, c'est un peu chiant ça. Ah, c'est très chiant même. Ah, c'est bon, on touche en même. Oh, ça c'est cool par contre. Normalement, tu. Ouais, voilà, ça passe. C'est bien, ça le fait. Alors là, il y a un Nosferalto, non. Un Ratatake. Bon bah, cool. C'est cool. Allez, on l'OS. C'est quand qu'il chope Exploforce, Lucario? Je ne sais plus. Ou alors c'est que par TT? Non, il l'apprend à un moment. Il me semble qu'il l'apprend. J'en suis quasiment sûr. What?
quoi? Ok. Pourquoi pas le Pokémon sauvage? Ouais, non, ok. Après j'ai masse rappel. Ça peut être putain de pratique. Oh, ça fera l'affaire. Ce sont pas des trucs qui pourraient traîner. Genre des baies, non, on a pas de baies. Ah oui, c'est vrai, on a un élixir pourri. Allo, oui. J'en étais sûr. On lui a balancé une caillasse dans la tronche. C'est ridicule. Je rentre dans le mur. Hein. Ok. Si tu bouges un poil, t'es mort, ok. Oh, il a un Nosferatu tout shiny. Bien, ce jouet est à... Non. Nope. Eh bien, qui voici donc? Hop, on bouge juste ça de place, voilà. Maveur, tu fais quoi ici? Je t'avais dit d'aller avec les autres. Bon, ça va, tu peux rester. Voici donc Maveur, j'ai entendu parler de toi. Tu nous as empêché d'obtenir des informations sur l'île 3. Amos, je suis Amos, un des 4 admins de la Team Rocket. J'ai été envoyé par notre boss pour récupérer le saphir. Comme tu peux le voir, cette mission est accomplie. Blue n'a pas eu le temps de dégainer un seul Pokémon. Espèce de dégonflé. Vraiment des trouillards chez la Team Rocket. Ouais, ah oui, ah oui, c'est la Team Rocket, gros. Oui. C'est pour ça que l'autre m'a envoyé valser tout à l'heure, c'était plutôt sympa. Eh bien, il semblerait que tu souhaites récupérer ce saphir, navré, mais il appartient désormais à notre boss. Je ne permettrai pas que tu t'opposes à cela. Tu ne représentes pas une menace comme Blue. Prépare-toi à perdre. Oh la musique. Ah non, ils remettent la même. Ah non, c'est un remix. Alors attendez, ça me stresse. Faut vraiment que je le bouge de place. Genre là, c'est bien. Non, c'est pas bien. Là, hop, voilà. Ah. La musique coupe. Ok. Elle reprend. Non, mais c'était une feinte. Le jeu a feinté. C'était pour faire l'argent. Est-ce que prélèvement destin ça marche encore? Ça marche ou pas? Parce que si tu me magnétons maintenant, je suis un peu dans la merde quand même. Non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Cool. Bien, continue l'MDR, c'est bien, c'est bien. Non, mais c'était pas mal l'MDR. Je pense que c'était très efficace. T'as pas aimé Ah voilà, c'est bien. En même temps, il a ça ou des attaques poison le truc. C'est vrai que c'est chaud. On va tenter le Tortank, même si j'ai des doutes. Hein. J'ai quelques doutes sur l'efficacité de Tortank face à un Démolos quand même. Parce que pour OS, un Démolos... Il a baissé ma défense spéciale, ouais. Ouais non, je pense pas que ça passe. J'ai rien dit. Le jeu m'a fait mentir. Pourquoi pas. J'ai gagné 6000 Poké-Dollars. Ça c'est pas mal. Erf, voici qui est bien problématique. En temps normal, mes sbires auraient attaqué sans sommation. Cependant, je dois bien avouer que ta force... Je dois bien avouer que ta force est indéniable. Nous ne pouvons nous opposer à toi. Bien, jusqu'à la prochaine fois, considère ta victoire. Team Rocket replie à la base. Je veux le caillou, moi. Je veux le caillou. Pas mal du tout, ma beurre. J'aurais pu m'en sortir seul, mais un petit coup de main, ça fait plaisir. Fait toujours plaisir. Je vais récupérer le saphir. Non, mais moi, je le veux. Mais finalement, non. La Team Rocket va sûrement me suivre pour mettre la main dessus. C'est mieux que tu le prennes, toi. Ah, voilà, on est d'accord. Ils ne penseront jamais que je puisse te laisser la garde du joyau. Je file les attirer, va aider Red et Yellow sur l'île 9. Ok. Vous avez obtenu le 9e badge. Quoi? Maintenant, retiens le saphir.
Ok, on se casse. Non, c'est pas par là. Je m'en sortirai, je m'en sortirai. Il y a un objet là-haut. Really, Nika? J'ai jamais remarqué. Ah, je marche sur l'objet, pourquoi pas. Ou alors ils ont... Ah non, ils ont mis les... Je sais pas, ils ont peut-être codé pour que ça va... pour faire en sorte que le truc se rajoute après. Non mais attendez, du coup je vais checker là-bas. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà, la map c'est restart et j'avais déjà récupéré cet objet. Ce serait drôle quand même. Je crois que la map a restart. Ok. Pourquoi pas. Non mais après des fois c'est voilà le bug du codage, ça arrive. Ah je pense qu'en fait ouais, ils ont voulu faire en sorte que du coup tous les membres de la Team Rocket se cassent, sauf qu'il y a eu d'avoir un problème dans le codage et du coup en fait ça remet la map avec tous les objets. Pas un objet, non. Je prends un... Après moi j'ai pas connu l'époque de Pikachu donc il a dû avoir de bons gros bugs. Après voilà, moi je me dis que voilà, pour une fois qu'on peut avoir un truc bugué mais positivement, on prend. Du coup voilà, j'ai grappillé un super moment en plus, je le prends. Pourquoi j'ai claqué un super au pouce alors que je suis sur le sable? Ok. Ok. On va tranquillement les soigner par contre. Parce que bon après on n'a pas beaucoup d'objets non plus. Oh je suis passé à travers toi mon pote. En mode vas-y je m'en bats les couilles. RT c'était presque triste. Ok. Île 9. Là on n'y a jamais été par contre. On va visiter vite fait. Donc là il y a un mec. Là il n'y a pas d'objet, c'est triste. On visite l'île hein. On fait le tour. Je suis encore sur le sable et j'ai encore claqué un repousse, mais on s'en fout, on est riche. Je dis ça, mais autant je suis pauvre. Ok, non, on a 35 000, ok. Ça va, on est bien. On visite. Donc là, il va falloir qu'on aille là, ouais. Bon, ça va, l'île est... Ah, quand même assez chiante. Elle a des formes bizarres en plus. Est-ce qu'on peut passer là? Non. On tente le coup, on sait jamais. Ok, go. Halt, c'est un cul-de-sac. Sinon, il y a un truc qui s'appelle surf. Et pourquoi halt si c'est un cul-de-sac? Ah ouais. Sinon, tu serais pas mis là. Ah ouais, pay your brain. Ouais, du coup, moi, j'appuie sur mes touches comme si je jouais à LOL, MDR. J'arrive en mode, ouais, vas-y, je balance un cul-de-spell. Bon, le one shot, très bien. Après, voilà. On a un magnéton qui est en train de petit à petit se mettre bien. Dors tank. On sait que tu ne le one shot pas. Quoique. Ouais, non. D'ailleurs, c'est bizarre, au Saturn, je pensais pas qu'il avait plus de défense P que... comment il s'appelle, que des molosses, ça me surprend. Ah, Lucario un peu, puisque c'est pas cher. Il en a pas beaucoup des types normaux, lui, des types normales. Des types normaux. Par contre, c'est chiant qu'il fasse tout Damoclès, ça fait des dégâts quand même, cette merde. Surtout que je le OS le mec, quoi. Donc c'est un peu chiant. J'ai pas un truc à te donner, Lucario? Défense P. Pour toi. Là c'est bugué. Rien d'autre a priori. Tortank. Ouais, on a rien. Là c'est bien un cul-de-sac par contre.
Oh là là, c'est plus un cul-de-sac. Qu'est-ce que c'est triste. Je vois que tu as réussi à passer l'eau. J'ai pris de l'eau. En vrai, pour faire une caisse d'eau, tu le fais même à la nage. Sans le Pokémon. Par contre, vous êtes casse-couille avec vos Pokémon. Genre, Hypnomade, c'est bien relou. Après, il est un peu con. Il tape au cac. Donc, ah ouais, par contre, je fais pas de dégâts, quoi. Pourquoi j'ai... D'accord, j'ai spammé électro et les canons, ce qui est un peu con. Sachant que les canons, j'utilise en premier parce que ça met masse dégâts et parce que ça... Je sais pas, j'ai l'impression que ça paralyse plus que tonnerre. Électrode. Givrali. Ah non, j'ai dû garder Maniton. De toute façon, il y a une chance sur deux pour qu'il fasse explosion lui aussi. Excusez. Oh, il meurt pas. Il est résistant ce Givrali quand même. Je suis plutôt épaté. Je suis bien content d'avoir pris Givrali. C'est plutôt rentable comme Pokémon. Donc on s'en fout, on va claquer des racines d'énergie sur Magneton. Par contre, refoutre de l'eau, c'est relou. On va aller, on va faire tous les coins. De toute façon, on va tuer tous les sbires, je pense. De toute façon, on s'en fout donc. Je vais checker. Ah non. Tonnerre. Oh non, c'est une blague. Oh, ça, c'est une blague par contre. Ça c'est la blague du siècle. Le mec a pu faire explosion parce qu'il lui restait 2 HP quoi. Oh non, il va pas me faire une série d'explosions. Non, ça va. Je le sens trop le truc, ça fait série de destruction, d'explosion. Je vais pas essayer de faire Hydroconus, normalement je le tue même avec Surf. Oh non. Mais c'est une blague. Et lui ça, pourquoi ça l'a pas frappé? Pourquoi ça l'a pas fait? Bon, okay. Une orchide. Enfin, un ou une orchide. J'ai hésité à faire rafale feu pour être sûr qu'elle meurt. Je voulais pas me faire chier. Ok, coup critique. Même pas besoin de rafale feu. Après c'est juste c'est chiant que la musique soit aussi redondante quoi. Enfin, bon. Ouais c'est bien ce qui me semblait. De mémoire ça résiste pas mal ces conneries là, état de mort. Monsieur Mime, bon garde Magneton. Ouais ok si tu veux. Normalement en deux coups je te tue. Sauf s'il me fait un truc genre mur protect ou je sais pas quoi là. Ah, il fait mal. Je pensais pas qu'il me ferait aussi mal. Oh il est plus rapide que moi en plus, ça c'est chiant. C'est une blague ou quoi? Dragonfly il a pu tenir sans pression alors que...
L'autre normalement il craint pas le psy avec son type passé là. Ok, fuck la logique. Ah ouais non là on va utiliser des... Tiens rappel max. Hop, ensuite on va utiliser racine énergie. Est-ce que j'en utilise un sur Dracofeu? J'ai vraiment rien d'autre à utiliser. Après tu me diras, je peux tous les faire level up. Ton chemin s'arrête ici, si tu veux. De toute façon je vais passer de l'autre côté donc... Ah, c'est quelque peu chiant ça. Le problème c'est qu'il fait quand même très mal. Très très mal. Ah non, s'il a un truc genre tombe roche, je sais pas quoi là, il va me défoncer par contre. Ok, il utilise grimace, ça je m'en fous un peu. Il rate son attaque, ok. Pourquoi pas. On va tenter le lance-flamme. Ah. Ok, c'est bon, ça passe. Ok, ça passe. Là, on renvoie monsieur qui déboîte des fesses. Il fait trop mal, Magnéton. À un moment, il faudra que je fasse une séance XP quand même pour remonter Cornèbre du niveau. Bah, meurs. Voilà, ça c'est fait. Level up encore. Plus 3 d'attaque SP, nickel. Ok, donc les autres sont déjà arrivés. Ah, c'est un peu plus problématique. Ah, c'est grave problématique. Là, c'est très très problématique par contre. Ah, c'est pas très efficace, mais le mec me met des... Ah, c'est un peu chiant quand même. ça risque d'être un peu chiant. Il va me reparalyser. Qu'est-ce que j'avais dit? Ce jeu ne m'aime pas. Bon, il rate ses attaques. Et moi je suis paralysé. Je vais devoir, voilà, guérison. Ah putain. Ah, il a fait vol magnétique. Oh non, son attaque. Ah non mais ça... Oh, c'est une blague. Trois ratés. Non mais sinon ce jeu est normal, 3 ratés d'affilée. Là je fais un critical. Oh. Normal. Normal game. Il va me faire trop mal. Ah bah non, normalement j'ai vraiment une bonne défense P. Ouais voilà. Mais gèle-le. Il va jamais... Il gèle plus, c'est... Gèle-le, on le déboîte. Il me tue. Mais... Pff, faut moins bas.
comprends pas, le proc du gel maintenant il est de zéro. Mange-le. On m'a gavé. Du moins que tu le one-shot, au moins on n'en parle plus. Oh, putain, mais ils ont pas d'attaque, c'est n'importe quoi. Je comprends pas comment ça se fait qu'ils soient aussi faibles. C'est censé les déboîter quoi. Ah, ce combat était pas du tout rentable pour moi là, il m'a tout fait claquer. Merde, en plus je me trompe de flèche. C'est moi le sbire le plus entraîné ici, désolé pour toi, ben on va voir. Hein. Ouais ça c'est cool. Là je m'en fous littéralement tu vois. Tu me fais... Pourquoi tu me fais autant de dégâts? Pourquoi tu me fais autant de dégâts alors que t'es pas du tout censé faire autant de dégâts? Attends, si j'avais pas la move speed, le mec m'aurait tué. Ok. Voilà. Kadabra. On va vivre à l'île. Voilà. Ça c'est fait. Encore des racines d'énergie au moins parce que là bon, après au pire ouais, les potions max donc je préfère claquer je claque une potion max bon. Ah ouais j'en avais encore deux ouais, j'aurais pu y a pas un truc derrière non là, y a pas d'objet par contre cache joyau c'est terminé pour vous Arbok à toi de jouer. Si tu la touches, tu le regretteras. Il va d'abord falloir que tu me passes sur le corps. S'il n'a que ça pour te faire plaisir. Maveur, mais que fais-tu ici? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Crétin de sbire, il laisse passer tout et n'importe quoi, y compris des gamins. Je suis Ariane, admin de la Team Rocket. Notre boss nous a demandé d'emprunter sur Ubis. Tu ne peux pas nous arrêter. Tes amis ne le peuvent pas non plus. Maveur, ils sont armés, ils ne vont pas te laisser le temps de prendre tes Pokémon. Silence! Je m'en bats les couilles. Même s'il est vrai que tu ne peux rien face à nous, je vais quand même t'accorder un combat. Ta défaite servira d'exemple et ensuite nous nous débarrassons de vous. J'avais pas vu le nouveau sprite du mec. Le mec il met ses mains derrière la tête en mode beau gosse. Ok. En mode nuker. Yeah. Dommage en fait la musique il y a un petit remix mais faudrait la remixer un peu plus je pense pour les combats de boss. Oh là là, one shot. Après heureusement on a Magneton parce que Magneton est vraiment très fort. En fonction des dégâts, je vais être dégoûté de ne pas avoir fait rafale feu par contre. Ok, c'est bon. Ah, coucou, je dis.
Arbok. On va tenter. On va tenter de changer un peu. Ah ouais merde, sur il a intimidation. C'est un peu plus chiant. Ah il a boubombe aussi. Ah c'est beaucoup plus chiant. Ah ça lui fait pas de dégâts. C'est beaucoup plus chiant. Bon allez. Si on passait aux choses sérieuses, genre... Et il va refaire boubombe sûrement. Voilà. Ah par contre normalement je le tue. Ouais, ça passe. Nickel. Mais c'est impossible. Et ici. Je crois rêver. Comment ai-je pu perdre face à ça? Si la Team Rocket prenait le temps de se renseigner, tu aurais su que Maver est le nouveau maître de Kanto. Un maître, si jeune, je ne comprends mieux. Savoir ta victoire, mais elle ne durera pas. Je ne veux plus de ce rubis. On se replie, bande de crétins. Ok, d'accord. Donne-moi rubis. Je veux les cailloux, moi. Cailloux qui coûte cher. Merci beaucoup pour ton aide. J'espère que tout s'est bien passé. C'est passé pour le mieux avec Blue. Je vois, tu as donc éliminé un deuxième admin. Jolie performance. Team Rocket sous-estime trop souvent ses adversaires. Oui, merci beaucoup. Je veux pas imaginer ce qui se serait passé. Je ne veux pas imaginer, ouais. Ce qui se serait passé si tu n'avais pas été là. On te laisse récupérer le rubis, si tu le mérites. On se retrouve sur l'île Aurore avec les deux joyaux. Yalou, on y va? J'ai le deuxième caillou. J'ai 10 badges. Un bleu et un rouge. Lol. Des objets ou pas? Est-ce qu'il y a le même bug de map? Non. Dommage. Ah, là, pas... ah non, en fait, non. C'était peut-être volontaire, en fait. Maintenant, il y a des objets. Donc, tout à l'heure, il n'y avait pas. C'est peut-être volontaire, en fait. Mais du coup, ça m'arrange. Hein, je vais pas m'en plaindre. J'ai trop cru que c'était un bug de map. C'est refait. C'est trop un bug de map. Pas d'objet. Bon, par contre, il y a des objets partout, on l'a vu. Un peu partout. Par là. On fait le tour de l'île. Voilà, il y en a un là. On l'a vu. Vous obtenez un calcium. De la vitesse. Ah non, le calcium, c'est la défense. Non. Aimant pour Magneton. Pas Magneton. Alors. Tiens, je vais pas pouvoir. Ah non. On va le donner déjà. Voilà. Ah non, c'est là. C'est de l'attaque SP. Bah Tortank, on va lui monter son attaque SP à fond. Ok. On va tranquillement aller se soigner. Et sur ce, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Donc on a récupéré les deux pierres deux pierres précieuses au final. Et on va du coup aller dans le prochain épisode sur l'île Aurore. Voilà. Alors on va checker les quêtes. Parler à Léo sur l'île Aurore, ouais voilà. Le trésor perdu, Vertigo. J'en ferai peut-être. Ah oui, ça c'était bugué, ça je me souviens. Je sais pas si ça a été corrigé. Je tenterai de la faire peut-être en off et puis si ça crache, bah ça crache. Sur ce, bye tout le monde, n'hésite pas à checker les réseaux sociaux, tout ça, comme d'habitude, le Facebook, le Twitter, et à mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous dis à la prochaine. Allez bye tout le monde.